Alors, je suis content qu'il y ait le monde d'Hercule qui soit revenu. Non, on s'en fout. On s'en fout. Mais on s'en fout. Et on s'en fout. Moi, je veux juste repartir, du coup. Tiens, il y a un endroit que j'ai pas... What? C'est pas du tout le bon endroit. C'est pas grave. Là, en théorie, il devrait plus y avoir d'ennemis, mais bon, c'est pas grave. Alors, je veux juste aller dans le hall, merci. Mais lâchez-moi, bordel! Mais... T'as pas tout découvert. Après, j'ai pas fait l'extérieur, mais le reste, j'ai fait les autres salles, normalement. Potion plus. Ah! L'autre ennemi, je me disais bien qu'il était tout seul, ça aurait été bizarre. Il te pousse pour que tu avances. Non mais c'est chiant parce que j'ai un dash mais pas, je peux pas le faire dans les airs. Du coup Ah oui. Ah putain, rappelez-moi après qu'il faut qu'on aille dans le monde de Mulan vite fait. Pour totalement farmer tricher. La violence. C'est bon? Ah. Bonus PC, ça se prend, hein, ça se prend. Et du coup, il y a quoi par là? Pont. On a jamais été sur le pont. Ah. Si, on a été du coup. Sur triangle pour commencer le duel. Ramasse les orbes, mince. Wow. What? C'est de la merde. Ah, il faut que je m'équipe d'attraction. Je suis tellement en lutte. Attendez, si je pars. Donc je reviens, il est toujours là. Je peux recommencer le ouais, le challenge, ok. Compétence. Je crois pas que j'ai attraction avec Sora. Non, je l'ai pas. Par contre, je sais que je l'ai avec Dingo. Ouais, attraction, je l'ai là. Du coup, l'espace d'un instant, on va désactiver genre ça. Prendre attraction. Donald, est-ce que t'as attraction? Donald a attraction. Tiens, pourquoi? Ça ne prenait pas, ok. On va espérer que ça marche. Ah, c'est compliqué encore. Putain, c'est chaud. Attraction ne marche pas. Du coup. Mais... Mais il va beaucoup trop vite. Ah, il est triste, bah tu m'étonnes. 48, c'est un peu nul. Putain. Bon, déjà, ça marche pas, attraction. Mais... ouais, compliqué. Objet. Du coup, Donald, j'ai vu qu'il avait booster glace.
Fusée atomium, coopération déclenchant. Bon. Balek. C'est chaud. Est-ce que. Bah, je peux retenter ma chance. Je pense qu'il faut arriver peut-être au moins jusque 50, ça me paraît très logique. Aïe, c'est la panique. C'est la panique. J'en ai eu plein. Pour moi, je vais battre mon record déjà. Non! Encore une! Non! Bon, j'ai battu mon record de 1. Eh, mais c'est compliqué, au bout d'un moment, il va trop vite. Allez, je fais un dernier essai parce que j'ai mis 203. Pourtant, je fais de mon mieux. Et là, le début, je loupe. Et lol. Pourquoi il va si vite dès le début? Oh! Allez, boum, 53. Parce qu'il a fait n'importe quoi. Je l'aurais pas. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Ça devrait. Il y a des fois, ça devrait m'en ramasser quoi. Même pas. Tant pis. C'est de la merde. Donc considérez que ce truc c'est de la merde. Oui, oui, on leur dira. Donald y est mort. Ok, Atlas. Du coup, on a dit qu'on allait farmer des trucs. Je vais vous montrer comment, pourquoi, tout ça, tout ça. Ah, quoique, est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit? Non, le meilleur endroit, c'est l'endroit ici, le village de merde. Alors faut savoir que putain c'est pas lui que je voulais viser. Non, cassez pas ça. Sinon tout mon plan sera réduit à néant. Vous allez voir. Alors là, fusion maîtrise. Le but c'est de ramasser des petites boules avec cette forme. Or, ça donne plein de petites boules. Du coup. Là, hop, on ramasse toutes les petites boules. Ensuite, on se dépêche. Soit les ennemis, on s'en tape. Hein. Ensuite, on fait ça, on fait Atlas. Donc là, je suis dans la forme de maîtrise, mais je reviens à l'Atlas. Et si je reviens ici, j'ai tout mon flux à fond et les trucs en respawn. Du coup, je vais pouvoir re-ramasser des petites bouboules. Et c'est avec les petites bouboules que j'ai débloqué le double saut. Voilà, voilà comment tricher. Non. Alors. Bon, on va le tuer parce qu'il casse les couilles, mais c'est pas mon but. Mon but, il est là. Voilà. Jauge fusion. Non, maîtrise auto. Non. Putain. Mais je m'en bats les couilles des ennemis, en fait. Voilà. Moi, je veux toutes ces petites bouboules. Et ensuite, je veux partir. Faut vite que je parte tant que j'ai de la jauge. Ouf, tout juste.
Alors c'est pas amusant, hein, je sais. Mais c'est le meilleur endroit pour faire ça, donc désolé. Petit merdier. Et puis au passage, ça me fait XP en soi, hein, donc c'est pas forcément mauvais. Et je dois aller les ennemis ici. Hop, bon, regardez, je suis niveau 35 du coup, grâce à tout ça. Maîtrise. On récupère les petites bouboules. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est pris pour une danseuse étoile, Sora? Le but c'est de farm quoi? Le but c'est de farm, enfin de level up cette forme. Pour débloquer le double saut. Sauf qu'en fait le problème c'est que pour lancer cette forme, il faut genre une barre de flux là à genre 4 ou 5. Enfin c'est la condition pour pouvoir l'activer il me semble. Donc du coup il faut tricher en revenant sur l'Atlas alors que la forme est activée. De la misère. Hein. Hop. Voilà, du coup, faut ramasser les petites bouboules tout en étant dans la forme. Ah, c'est chiant. Ah non, ça passe. J'ai tout explosé. Hop, je ramasse. Double saut, voilà. C'est la win. Là on a débloqué un double saut, donc si je reviens, ouais là c'est que le niveau 1 après, il faut que je l'équipe, du coup compétence de Sora, en plus j'ai 2 points c'est parfait, ah putain, il faut 3 points, qu'est-ce que j'ai qui sert moins? Horizontal ça à la limite je m'en sers pas énorme. Hop. Donc là on va peut-être essayer d'atteindre du coup ce truc. Calme-toi. Ah oh oui, bah oui. C'est le oui. Parce que du coup si je vais dans état maîtrise, niveau, là je suis à 126 d'expérience, il faut 134 pour le prochain niveau. On va regarder combien fait une run. Voir si on essaie d'avoir le truc niveau 2 ou pas. Bon. T'as rien demandé. Et tu prends cher. J'ai une maîtrise. Oh bah cool! Ça le pète instant. C'est gratuit de les tuer. Hop. Voilà, on se dépêche. Là c'est marrant, la Keyblade de devant là, elle vole. Elle est en lévitation. Atlas. Et si je reviens. Eh, pour une fois que je farm, pour le coup. J'ai jamais farm dans les Kingdom Hearts donc. 153, 107, donc j'ai gagné une. Gagner une. Je pense une cinquantaine. Puis on maîtrise. Ah, j'ai pas optimisé, j'aurais dû. Tic 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 tic. Ça y est, les ennemis sont morts. J'ai détruit tous les 100 cœurs de la zone. Ah non, j'ai parlé trop vite. Attendez, hein, je ramasse ça avant.
pense si je leur casse les dents. Ouais, ça me donne aussi des trucs. Je peux me le permettre, c'est un peu gratuit. Je veux cette boule. Merci. Ah putain, le double saut, ça va tellement me permettre d'avancer vite en étant dans les airs. Hop, je reviens là. Du coup, j'étais à 150 et 100, et là, 189, 71. Oh, ça va assez vite quand même. Hop, j'ai un peu triché comme ça. Les kills m'ont aussi donné de... m'ont aussi donné des petites bouboules. Hop, hop, hop. Tac tac. Lui il est pas pop au bon moment. Tac 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 tac. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Merde. C'est pas ça que je voulais faire, c'était Atlas. Et c'est trop bien de pas perdre sa barre du coup. Mais de reprendre celle d'avant. C'est un peu pété même limite. 32. Là, ça va être la run du level up. Hop. Genre. Ok. Je trouve ça un peu nul par contre. Oui! Sora combo aérien. Bah, je l'avais déjà combo aérien. Ah, j'augmente peut-être mes dégâts en combo aérien. Je sais pas trop. Ou mon nombre de combo aérien. Mes dégâts en combo aérien. Je sais pas. Normalement, du coup, là, si on level... je vais encore level up une fois. En théorie, si je comprends le jeu, ça devrait me donner le saut niveau 2 pour Sora. On va voir ce que ça va donner. Hop. Ah, la fusion, j'étais à 6 en fait. J'ai gagné un truc de fusion. Un level de fusion. Ça c'est nul hein. Je peux même pas le cancel. Allez, arrête de taper dans le vide. Non, j'ai perdu des petites bouboules. Il y en avait trois petites. Atlas. En plus là je me fais des couilles en or. C'est plaisant. J'aime les couilles en or. Mais eux ils dropent pas de trucs de flux. Eux ils sont nuls. Oh, ce ménage. Hop, l'avantage c'est que hop je les prends tous et je les ramène vers la sortie. Voilà, ça donne purement de l'XP. Hein. Ça me donne rien en termes de bouboule, c'est les simili. Là, c'est les pires runs du coup. Allez, encore un peu de courage. On y est presque. Mais... let's go.
aller. Yes. Ça, c'est une bonne run. Alors, on est à combien, là? Plus que 116, donc ça fait... deux bonnes runs, deux ou trois bonnes runs, un truc du genre. Trois, je pense, plus. Faut juste pas tomber contre des simili. Voilà, comme ça, par exemple. Hop. C'est cool, j'XP en plus. Tac 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 tac. Allez hop, on mouline, on a tout le monde. Et il l'envoie pas au bon endroit, évidemment. Cool, Mulan a level up. Très important. Faire level up les PNJ qu'on n'utilise pas et qu'on n'utilisera jamais de notre vie. Du coup, pas bonne run celle-là. En vrai, il y a pire comme farm. Là, c'est une séance qui est relativement courte. Putain! Modulo, c'est gros con là. Oh. Un éclat nébuleux. Je suis super content. Allez. Je suis à combien? Merde. État 62. Ah, du coup il reste encore un petit peu. Soit deux runs avec des simili, soit je pense une run avec un... Ah, une run c'est chaud quand même. Bon, de toute façon c'est des simili donc il faudra encore une run après et on aura fini. Tac 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 tac. Parfait. Allez, on avance. Atlas. Dernière run. Mais laissez-moi vous péter le cul, bordel de merde. Ah, il faut leur péter le cul et ça devrait passer. Voilà, double saut niveau 2. Double saut niveau 3 pour la forme en elle-même. Putain, il est violent. Très violent le. Ce double saut. Du coup, attendez, si je fais annuler. Je suis un peu baisé, mais c'est pas grave. Du coup, je peux aller chercher des trésors. Peut-être. Je sais pas si j'ai la hauteur pour. D'ailleurs, compétence Sora. Ok. C'est déjà équipé automatiquement. Alors pour aller chercher ce truc là-bas. Yes, un peu... Voilà, un petit peu... moyennement legit, hein, on touche l'art en bas, enfin la transversale pour mettre le but, mais... Donc normalement... Place impériale, non. Où est... campement. Oui, c'est ici que je voulais aller. Oh, on leur dira.
Là, ça risque d'être compliqué. Hein. Il me faudrait une compétence pour planer parce que... Ah, ça passe pas. Dommage. Barbousserie. Bambousserie, pardon. Ok. C'est bon, on peut se casser. La phase chiante est finie. Du coup, vous préférez qu'on aille où? Chez Mini? Chez Hercule? Mini, Hercule. On essaye d'aller voir ici à Atlantica. Chat, allô? C'est à vous de faire un choix. Chat est décédé. Oui, il y a Graba aussi. Bon, personne ne parle. Du coup, je vais aller chez Hercule. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller vous faire enculer. Bon, il va mieux ou pas? Hey. Hein? Herc, you feeling any better? Well, same routine. Wonder Boy here thinks his hero days are over. And Phil thinks it's all in his head. Gorsh, Herc, we know you're a hero. That's right. Blunder Boy. How could you mope on a momentous day like today? The Underdrome's back, and you are gonna fill the stands. After all, your fans won't settle for anything less than a certified hero. I mean, if you're not up to it, you could always just, I don't know, lose. I bet you'd like that. Excuse me? Hey, I'm not a selfish guy. I'm not like those high and mighty snobs up on Olympus. I stand for the masses, and have I got a massive idea. The games, ladies and gentlemen, are back. Yours truly, Hades, the one and only Lord of the Dead, brings you the Ultimate Games to celebrate the reopening of the Ultimate Colosseum. We'll finally answer the age-old question, who deserves the title Ultimate Hero? These games are gonna settle the debate once and for all. The winner reigns supreme. Of what? You guessed it, the Hades Cup! And I assure you that the great Hercules will be there, otherwise... You'll never see your girlfriend again. Low life! You're too kind, kid. M'occupe des inscriptions pour la Coupe Hades, ne vous trompez pas. Ah, ça coûte rien, ça peut rapporter gros. Ok. Parce qu'on n'oublie pas, hein, y avait l'homme grimoire. Il fallait défoncer. Non. Attention, tape. Formule. Tape. Ouais, c'est pas ouf. Du coup, on va tout de suite se mettre à sauvegarder parce que c'est très appréciable. Et on va tenter la coupe Hades. Ah, lui, c'est le tournoi ordinaire. Niveau 25. Oh, bah attendez, le tournoi ordinaire, on va le défoncer. La façon est inopérante, mais les coopérations consomment moitié moins de MP. Augmente ton score en ramassant des orbes, fais des combats pour en obtenir plus. Trop simple. On va tellement rouler sur la compétition. In before, je vais me faire défoncer. Ce coup de clé à la fin là.
c'était en mode ferme là quoi. Oh non, des voitures. Pire ennemi du jeu, les voitures. Ah, c'est pas les mêmes voitures. C'est vrai. Mais... Oh lui, oh lui, je suis tellement content de le démonter. Parce que c'est les pires merdes là, ces gros trucs dégueulasses. Par contre, ouais, comme prévu, hein, je roule un petit peu sur la compétition. En même temps, j'ai un peu un niveau bien plus supérieur à ce qu'il faudrait. J'ai 10 levels de plus, bon. Attention, match 7. Le mob, même pas eu le temps de pop, j'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était. Ok. Nickel. Tout se passe bien pour l'instant. Attention, survie jusqu'à la fin du temps imparti. Oh, facile. Surtout avec des ennemis aériens. Que j'adore les combos aériens. Il y a quasi plus d'ennemis, mais en vrai, ils ont du mal à revenir. Hein. La respawn. La violence. Demi-finale. Des fleurs. Ah. On se souvient, les fleurs. Ennemi assez compliqué dans Chain of Memory, du moins. Et la finale. Oh non, Luffy et Squall. On se souvient de Luffy, la petite pute. Et les deux ont pas la même. Attaquent pas en même temps. Ils sont pas synchro. C'est quoi le plus simple à défoncer en tout cas entre les deux. Ok, un de moins. Heureusement. Allez, putain, il manque un coup, quoi. Et lol. Voilà. J'ai un brasier, elle est sur ma gueule. Le brasier, il tourne autour de moi, ça la touche pas, quoi. Wahoo!
Augmente considérablement la défense. Gène de sérénité, c'est bon ça. Ok. Ça, c'est fait. On a pris combien de temps? On était à 16:32. On a pris 7 minutes, ça va. Ouais, coup Hades, allons-y. Alors, qui seront nos premiers adversaires? Voyons voir. Les Vrilleurs. Regardez, auront aussi participé au tournoi. Ah, et on risque de devoir l'affronter pour le titre. C'est un héros? Ben, je crois pas qu'il soit méchant, mais... Pour toi, le seul héros... c'est toi le seul héros ici, Hercule, tu le sais bien. C'était vrai autrefois, mais à présent, ça suffit. Les Vrilleurs, allez. Lui, on sait qu'on peut jouer au ballon avec. Quoi? Mais je spamme Trion. Oh, il y a Hercule avec nous. Je le bolosse tellement contre le sol. Alors, champion, tes impressions? Je suis loin de mon meilleur niveau, désolé de vous handicaper. Ne jette pas l'éponge tout de suite, on a encore besoin de toi pour la demi-finale. Ah oui, déjà, demi-finale directe. Bah ouais, du coup. Nous y voilà. Oh, on rencontre Glace Funeste. Ils sont forts. Ils en ont l'air, mais on ne va pas se laisser intimider. D'ailleurs, du coup, c'est Glace Funeste. Théorie. Mais ça, je sais pas, je trouve ça plus joli de dire Glace Funeste. Pas trop ce que les boules allaient faire. À nous la finale. Si on gagne, on sera tous des vrais héros. Ah, c'était donc ça qui te motivait. C'est vrai, il y en a marre d'être des apprentis héros. J'essaierai de ne pas trop vous gêner. Arrête avec ça, tu veux. Eh, regardez. C'est lui notre dernier adversaire, non? Auron. Auron, Auron, petit patapon. On se connaît? Hein? Auron? Je vais au Vingt pour expier mes crimes. Qu'est-ce qu'il raconte? On dirait qu'il n'est plus lui-même. Bon, Hercule, le dépressif peut arrêter. Ouais, non, là, il est énervant. C'est un peu comme les meufs super jolies qui font « Ah là là, je suis trop moche. Ah là là, j'ai une face de cul. Et ferme-la. » Et c'est pareil. Ah là là, je suis plus un héros, je suis pas au meilleur de ma forme. Je tue les gens avec deux pichenettes au lieu d'une. Hein. Ferme-la. Bon, du coup, faut aller chercher Auron. En fait, Hercule, c'est une drama queen. Ok, let's review. State your crime, prisoner. I exist. That is my crime. It is inexcusable. Ooh, good. Very good. What's wrong with Auron? He's never acted that way before. Shh. Okay, so you made one lousy mistake. You exist. But hey, I'm a forgiving guy. You keep your end of our little deal, and I'm willing to overlook a transgression or two. I understand. Defeat Hercules. And his meddling friend. What? No. Only Hercules. Oh, don't tell me you've forgotten who's in charge. Oh. Hercules and the other three. Are we clear? We're clear, Hades. Lord Hades. Lord Hades. Good. Now go. Mon corps, le magnifique, j'ai plus rien à mettre. T'as trois armoires remplies, connasse. So that's how he's controlling Auron.
Ouais, il a des petites figurines, Hadès. Il joue au Warhammer. Quelle canaille! Pour lui, c'est sans doute un compliment. On peut pas laisser Auron se faire manipuler. Nous devons l'aider. Venez, suivons-le. Il est là. Faut vraiment le prendre en filature ou... Non. Okay. Ah bah super. What's wrong, Sora? Oh, Orin's in trouble. It's like Hades brainwashed him. He's using some kind of a statue. You know something? That sounds kind of familiar. Hmm. Hades may be using the statue to hold Orin's free will hostage. What do we do? See if you can find that statue. It's gotta be somewhere in the underworld. Right. I'm on it. Tell me you're not thinking of leaving. You've got a match coming up. I'll fight Orin in the final. One on one. Oh, you will? I'll draw things out to buy you time. But... Just hurry back. I know you can do it. Congratulations! You've got a deal. Thanks. On one condition. The Keyblader here and his trusty friends have to meet the winner in one final clash. What do you say? That'll drive the crowd wild. It better. I promised the crowd the event of their afterlives. Yeah, sucker. You know, for me, the rest is smooth sailing. Okay.